Bonjour et bienvenue à la troisième édition du Pitch XXL en version digitale cette fois-ci. Comme notre habitude, nous vous invitons à rencontrer les acteurs clés de l'entrepreneuriat bruxellois, mais aussi découvrir 8 startups. Alors ils sont jeunes, ils ont plein de talents et ils comptent bien le partager avec vous. Je vous invite donc à passer un excellent moment à la découverte de l'entrepreneuriat jeune bruxellois. Bonjour Olivier Whitmer, vous êtes professeur d'entrepreneuriat et directeur académique du StartLab, l'incubateur jeune de l'ULB. Bonjour Pénélope Kuhn, vous êtes directrice du StartLab. Alors Olivier, pourquoi est-ce si important en 2020 de faire la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes? Alors c'est très simple. Comme vous le savez peut-être, l'entrepreneuriat, ça commence par une chose qui est assez claire, c'est l'entrepreneur. Et aujourd'hui, on produit énormément d'initiatives pour encourager l'entrepreneuriat, mais si on ne produit pas des nouveaux entrepreneurs, la mécanique ne fonctionne pas. Et notre métier à nous, c'est de produire des nouveaux entrepreneurs. Alors vous parlez de notre métier à nous. Quelles sont les spécificités en fait du StartLab? Parce que on voit qu'il y a un très grand nombre d'initiatives de soutien à l'entrepreneuriat un petit peu partout. Donc c'est magnifique de diversité, mais bon, c'est parfois un petit peu difficile à décrypter. Donc le StartLab, qu'est-ce que vous faites de si spécial et de si bien? Alors tu as raison Benjamin, l'écosystème entrepreneurial à Bruxelles est extrêmement développé, il y a des solutions pour tout, pour l'hébergement, pour le financement, pour le conseil. Et en fait ce que le StartLab essaye de faire, c'est de se positionner en réalité en aval des mécaniques d'enseignement. Donc l'enseignement aujourd'hui promeut l'entrepreneuriat et beaucoup de jeunes veulent démarrer mais ne savent pas très bien comment s'y prendre. Donc on les récupère à ce moment-là et on les prépare à rentrer dans le monde réel, entre guillemets, l'écosystème entrepreneurial, en tenant compte des particularités des jeunes entrepreneurs qui sont essentiellement qu'ils n'ont fatalement pas beaucoup d'expérience et pas du tout de réseau. Et donc on essaie de les aider à structurer leur projet de façon à ce qu'ils rentrent facilement dans l'écosystème. Et donc, Pénélope, je pense que le StartLab a aussi ça de particulier que vous avez peut-être une méthodologie ou un critère spécifique pour déterminer quels sont les projets qui peuvent rentrer au StartLab. Effectivement, Benjamin, on a donc chaque année on sélectionne une centaine de projets pour rejoindre l'incubateur. Et lors des sélections, il y a plusieurs critères. On évalue l'engagement, la motivation, l'ambition des porteurs de projets, mais aussi, et c'est peut-être de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, on prend en compte leur volonté en fait de changer le monde pour un mieux à l'échelle de leur projet et à travers leur projet. Ce qui est important pour nous. Finalement, c'est leur volonté de répondre aux enjeux sociétaux, au sens large. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que les jeunes entreprennent pas tellement pour être leur propre patron, mais justement pour construire le monde de demain, pour en être les acteurs, pour proposer des solutions aux enjeux sociétaux, environnementaux, sociaux. En termes d'impact, parce que voilà, c'est un de nos critères de sélection, on se veut au StartLab généraliste. Et donc, on a le spectre des projets, des 120 projets qu'on accompagne chaque année, est très large. Depuis des produits éthiques, durables, en circuit court, je pense par exemple à des crackers à base de farine de grillon, à des vêtements en fil recyclé, mais on a aussi des projets tech, avec des solutions tech pour les personnes âgées, pour les malvoyants, pour les jeunes mamans. On a dans notre portefeuille de projets un projet qui travaille sur un tire-lait nouvelle génération, pour rendre l'allaitement plus confortable, plus pratique et plus gratifiant pour la jeune maman. Et puis on a toute une série de projets qui sont des plateformes digitales pour faciliter les échanges, pour connecter sur des problématiques comme le bien-être au travail, comme l'échec scolaire ou le décrochage scolaire avec des plateformes de mise en relation entre des étudiants en difficulté et des tuteurs. Alors voilà. Bon, ben, ça c'est tout ça c'est évidemment très motivant, très varié, très inspirant aussi. Mais au final, rejoindre le StartLab, c'est vous offrez plus de rêves, vous offrez plus d'espoir, ou en fait le StartLab c'est autre chose? Et pour moi, le StartLab c'est le jeune qui décide de passer à l'action. C'est le jeune qui décide de consacrer du temps,
et de se donner les moyens en fait, de réussir son projet. Et rejoindre le Start Lab, c'est rejoindre une communauté de 200 plus entrepreneurs, donc qui partagent, c'est vrai, les mêmes challenges quotidiens de démarrage d'une boîte, mais qui partagent aussi les mêmes valeurs. Et là, j'en reviens un peu à la discussion qu'on a eue sur l'impact, qui partagent cette envie de construire le monde de demain. Et je crois que cette communauté est aussi enrichie par la présence d'entrepreneurs en résidence. Donc, ouais. Donc on bénéficie de l'expérience ouais. de gens qui sont un petit peu plus loin dans la carrière entrepreneuriale. Exactement. Donc, comme disait Olivier, on est jeune, on n'a pas forcément le réseau. Et là, on rejoint une communauté jeune, mais on rejoint effectivement tout cet écosystème, le nôtre, du Start Lab, avec des entrepreneurs expérimentés, des experts. Et ce sont des gens bienveillants et qui ont l'expérience pour les aider vraiment. Olivier, vous étiez là depuis le début du Start Lab. Alors, quel est votre meilleur souvenir du Start Lab depuis sa création ? C'est une question horrible parce qu'il est presque impossible d'avoir un seul bon souvenir. Si tu veux garder une image du Start Lab, ce sont juste les étoiles dans les yeux des jeunes quand ils viennent t'expliquer qu'ils ont leur premier client, qu'ils viennent de boucler leur premier financement, qu'ils ont recruté leur premier collaborateur. Enfin, ils ont toujours plein d'histoires à raconter. Tu vois les étoiles dans leurs yeux. C'est vraiment pour ça qu'on se réveille le matin. Bon, tout ça, ça n'a pas été simple. Vous n'avez pas fait ça tout seul. Donc, qui est-ce qu'on doit remercier d'en être arrivé là où on en est aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qu'on doit remercier pour arriver à porter un projet aussi important. Donc, il y a d'abord l'université qui nous a permis de nous lancer en nous fournissant l'infrastructure de départ. On avait les premiers 60 mètres carrés pour mettre les premières startups. C'était un grand pas en avant, et puis ça a grandi avec le temps. Il y a bien sûr les sponsors et les mécènes qui nous aident et qui nous financent, la région bruxelloise et Yet Brussels, la fondation Bernheim, la fondation Free, la fondation Pulse, qui en fait nous soutiennent depuis longtemps. On a une série de partenaires plus opérationnels avec du contenu, Boyle Legal, Daoust, Acerta, la RTBF, qui nous permettent aussi d'offrir pas mal de services intéressants aux entrepreneurs. Pénélope en a parlé, mais le Start Lab ne fonctionnerait pas sans les formateurs, sans les coachs, sans tous ces entrepreneurs expérimentés ou plus jeunes qui nous aident, souvent de façon bénévole. Il y a bien sûr une équipe dont l'engagement et la disponibilité est totale, qui ne rêve que d'entrepreneuriat jeune tous les matins. Et bien sûr, le plus important sans doute, ce sont tous les jeunes qui nous font confiance pour former une communauté qui, à notre avis, est inégalable. Bon, Pénélope, vous qui rêvez d'entrepreneuriat jeune tous les matins, quel est votre souhait pour 2021 ? Au risque de paraître un peu lisse dans ma réponse, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on continue notre mission, créer, encourager, faire grandir les jeunes, ambitieux de lancer leurs projets. Un peu plus contextuel, je vais dire, moi, 2021, j'espère que c'est l'année du retour au bureau. Retour dans les co-work, retour dans les workshops, que notre communauté puisse vibrer de nouveau ensemble. Et j'espère que ce sera 2021 qui va nous le permettre. Voilà. Bon, en tout cas, le thème du Pitch XXL, c'est « Be part of their story ». En tout cas, je trouve que c'est très inspirant, très motivant de faire partie de cette aventure, de permettre à des jeunes de rêver d'entrepreneuriat, mais aussi de concrétiser leurs projets, de mettre en œuvre les ressources pour que leurs projets arrivent à maturité et de construire l'écosystème. Olivier Whitmer, Pénélope Kuhn, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat jeune à Bruxelles et au plaisir d'écrire les prochains chapitres ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci Benjamin. Bonjour Barbara Tracht, vous êtes secrétaire d'État à la transition économique et à la recherche scientifique et aussi ministre-présidente de la COCOF. Alors, quels sont les enjeux principaux de l'entrepreneuriat en région de Bruxelles-Capitale aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, hélas, on ne va pas se le cacher, l'enjeu principal, c'est pour beaucoup la survie. Avec la crise qu'on est en train de connaître, de nombreux entrepreneurs, des commerçants, des indépendants font face à de grosses difficultés. Donc l'enjeu pour nous, c'est de leur permettre de passer la crise. Sinon, globalement, les enjeux de l'entrepreneuriat, c'est évidemment l'accès au financement, surtout d'ailleurs pour des jeunes. C'est aussi le fait d'aider notamment les jeunes à découvrir quelles sont leurs qualités, etc., de les amener à pouvoir les réaliser, à pouvoir découvrir si leurs qualités sont ou pas suffisantes ou intéressantes pour créer un projet entrepreneurial, surtout dans une population aussi diverse que la région bruxelloise. Donc amener tous les jeunes à pouvoir s'émanciper, découvrir leurs qualités et pourquoi pas à créer leur job. Et donc on parle de la région bruxelloise. Pourquoi entreprendre au départ de Bruxelles ? Qu'est-ce qu'on a de si spécial à offrir, de si unique qui se trouve à Bruxelles et pas ailleurs ?
Donc il y a de nombreux enjeux, de nombreuses opportunités à Bruxelles. D'abord parce qu'on a une population très jeune, une démographie très jeune, et donc c'est bien, parce que c'est plein de créativité, c'est plein d'élan vers l'avenir. Donc ça, c'est déjà un terreau qui est extrêmement fertile. On a des universités, on a des grands hôpitaux, on a une capitale qui est aussi une capitale touristique, avec du tourisme de loisirs ou bien du tourisme d'affaires. Donc il y a énormément d'atouts et d'enjeux. Et puis il y a aussi des enjeux écologiques, hein, avec la réponse aux défis climatiques, qui sont aussi des opportunités pour l'entrepreneuriat. Oui, on vous sait très sensible à l'importance de la transition économique et du développement des circuits courts. Alors, quelle est la place de l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui pour soutenir ces initiatives ? Alors, on a vraiment besoin que les entreprises soient aussi répondent aux défis climatiques avec nous. Il y a des objectifs qui sont des objectifs mondiaux, hein, l'horizon 2050, neutralité carbone. On sait que si on veut les atteindre, on ne va pas pouvoir travailler juste sur nos émissions ici à Bruxelles. On va devoir travailler sur la consommation. Et donc, ce que les gens consomment, ce qu'on appelle les émissions indirectes, ce que notre mode de vie à Bruxelles implique comme impact sur l'environnement à l'extérieur de Bruxelles. Pour ça, il faut travailler sur l'économie, la consommation, nos activités. Et donc, il faut que les jeunes, notamment, saisissent les opportunités économiques de cette transition écologique. Et on va devoir modifier nos consommations. Et partout où il y a une modification, il y a des opportunités. Oui, je pense que les jeunes seront les premiers acteurs justement de ce changement. On parle beaucoup d'entrepreneurs, on parle peut-être pas assez d'entrepreneuses. On dit qu'il n'y a probablement que 20% des entrepreneurs qui sont des entrepreneuses. Comment est-ce qu'on réduit cette inégalité ? Oui, il y a plusieurs pistes, on a plusieurs programmes régionaux qui y travaillent. Je pense que déjà, c'est important d'avoir des modèles. Et donc de plus en plus d'essayer de montrer qu'il y a des femmes entrepreneurs bruxelloises de tous âges, hein, des jeunes, des plus âgés, des mamans aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et de montrer à toutes et à tous que c'est possible quand on est une femme de se lancer comme indépendant, de se lancer comme entrepreneur, de prendre le risque d'ouvrir un commerce. Je pense que ça c'est pour les jeunes notamment peut-être la clé la plus et des femmes diverses aussi. Hein. Il y a de l'entrepreneuriat, de la diversité, des femmes qui ont différents types d'activités depuis Madame Kadri, jusqu'à des femmes qui peuvent, par exemple, ouvrir des salons de coiffure. Enfin, il y a différentes choses qui est le CEO de Solvay, qui est une entreprise emblématique qui se trouve à Neder-Overenbeek. Oui, qui est une femme aussi qui issue de la diversité. Donc vraiment, des modèles, je pense que c'est peut-être un des points les plus importants pour attirer, pour dire aux jeunes femmes bruxelloises qu'elles peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc à tous les niveaux d'offrir des modèles, à tous les niveaux aussi, je pense qu'on peut compter sur le soutien des pouvoirs publics. Alors peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle des pouvoirs publics dans le soutien à l'entrepreneuriat. Quelles sont les voies que vous souhaitez ouvrir pour les jeunes qui se lancent aujourd'hui ? Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est une question d'émancipation, de liberté et de confiance. On veut, au niveau de l'enseignement, donc ça c'est pas tellement au niveau de mes compétences, aider les jeunes à découvrir et développer leurs talents. Et puis, au niveau de l'entrepreneuriat, dire, en fait, vos talents, peut-être que vous pourriez en faire votre job. Et donc, c'est témoigner une forme de confiance, pouvoir les accompagner pour leur dire, on va vous aider à monter votre projet, à le tester. C'est ce que vous faites notamment, ce que d'autres programmes régionaux font aussi. Témoigner de la confiance et du soutien. Un vrai travail au niveau des valeurs aussi, c'est à vous entendre. Oui, on est vraiment dans la liberté, de l'émancipation. C'est ça qu'on essaye de faire. Je veux dire, on n'est pas là pour parler. Évidemment qu'une activité économique doit être rentable. Et ce qu'on essaye de faire, c'est permettre à des jeunes de vivre et de vivre dignement de leur job ou du job qu'ils auront créé. Mais c'est aussi de se développer eux-mêmes. Et donc, pour conclure, si on a bien travaillé, on se projette dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est quoi votre souhait pour Bruxelles ? Moi, je souhaite vraiment que les entreprises bruxelloises, les jeunes entrepreneurs, les jeunes indépendants se soient lancés dans la transition écologique, nous aident à atteindre des objectifs climatiques, parce que c'est important pour les générations futures, pour nos enfants et les enfants de nos enfants, les enfants de ces jeunes, et puis qu'on les ait amenés en même temps à s'émanciper, à être libres, à avoir réussi à créer leur job, à s'épanouir aussi dans ce qui est leur métier. Ben, moi, je trouve que c'est un souhait qui vaut pour tous, en tout cas, que je trouve très motivant, très inspirant pour tous nos jeunes. J'espère qu'ils vont l'entendre et j'espère qu'ils vont en faire leur voie dans leur chemin dans la vie. En tout cas, ils pourront compter sur le soutien du gouvernement bruxellois. Merci beaucoup pour Merci votre présence vous. Aujourd'hui et à très bientôt. À bientôt, oui. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une révolution. Ceci sont les Energy Balls de Simply Natural Lab.
Et cette révolution, elle est simple, saine et elle est tendance. Elle est simple car c'est un contrat clé sur porte pour tout le secteur horeca et sport. Les énergies bio sont prêtes à la consommation. On vous les fournit dans des bocaux en verre par souci d'écologie et on vient les récupérer une fois vides. Elle est saine. Ce sont des encas crus à base de super aliments contenant essentiellement des noix et uniquement sucrés par les bienfaits des fruits secs. Mais c'est aussi super tendance. C'est vegan, c'est sans gluten et c'est sans sucre ajouté. Tout le contraire des snacks industriels. En fait, ces petites boules d'énergie, c'est moi. Je suis l'incarnation de Simply. Sportive et diététicienne nutritionniste de formation, j'ai toujours eu un pied dans l'horeca. Et je peux vous dire que dans ce monde-là, c'est vraiment très compliqué de trouver un encas sain. Et c'est pour ça que Simply est né. Alors que vous soyez gourmand, sportif, étudiant ou même jeune parent, c'est le snack idéal. Et à toute heure de la journée. Petit déj sur le pouce, douceur à 4 heures, et même avant ou après le sport. Et pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Donc si vous aussi vous voulez grignoter en toute sérénité, n'hésitez pas à passer dans notre boutique ou à faire un petit tour sur notre site web. Puis c'est juste une tuerie. Nous avons développé les pantoufles les plus confortables du monde, les flemmards. Nous sommes trois amis d'enfance. Guillaume, Nassim et moi-même, Maxime. Guillaume est actuellement au Pérou, où il rend visite à nos éleveurs d'alpaga et de moutons mérinos. Nassim, quant à lui, les plus observateurs ont remarqué qu'il est en chaise roulante. C'est dû à une maladie, ce qui en fait une personne à risque. Par conséquent, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Souvent, on nous pose la question, pourquoi on se lance dans la pantoufle? Eh bien, tout est parti d'une soirée, au cours de laquelle Nassim nous fait part de sa frustration. Comme il vit assis, sa circulation sanguine n'est pas optimale. Du coup, il a rapidement froid aux pieds. Et jamais en 30 ans, jamais, il n'a trouvé de solution chaude et confortable pour ses pieds. Il était 3 heures du mat, l'heure des grandes idées. Du coup, on s'est lancé le pari de nous-mêmes développer les pantoufles les plus confo. C'était un pari d'amis, c'est un pari tenu. Cette soirée, c'est il y a 3 ans. Et depuis, on fait les choses à fond. Pour les matières premières, Guillaume a déniché au fin fond du Pérou, dans la région de l'Altiplano, des laines d'alpaga et de moutons mérinos. Alors pourquoi aller si loin? Parce que c'est là que se trouvent les laines les plus confo du monde. Pour la production, on a fait appel à un petit atelier d'artisans, où il travaille de la pantoufle depuis 3 générations. Et pour le service, on a choisi un service avec le cœur, proche du client, parce qu'on aime ce projet et qu'on adore encore plus le partager. Alors, c'est bientôt Noël, on est chez nous, faites plaisir, faites-vous plaisir, devenez flemmards. Bonjour Candice, bonjour Maxime, alors on vient d'entendre votre pitch. Je pense qu'au départ de votre projet, il y a quand même un voyage qui a déclenché ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus? Oui, tout à fait. Entreprendre déjà, c'est saisir les opportunités. Et nous, c'est vraiment à travers le voyage qu'on a eu cette création et cette inspiration qui nous est venue. Par exemple, notre logo a été designé quand on était en road trip en Californie. Nos 2 premiers produits ont été lancés quand je travaillais en Allemagne dans l'horeca à Francfort. Et notre business plan, par exemple, a été vraiment finalisé lors de notre voyage pendant 5 mois au Népal. Et en rentrant, on a mis sur pied les Energy Balls à Bruxelles et on a commencé l'aventure Startlab. Donc c'est vraiment pendant tous nos voyages que l'idée a mûri et qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Maxime, je pense pour toi, c'est pas spécialement la thématique du voyage, mais enfin quand même, il y a une dimension là, avec la laine d'alpaga et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces produits? Oui, je vais vous présenter les produits. Donc effectivement, j'ai apporté les 2 modèles de pantoufles ainsi que les moufles. Donc il y a la pantoufle Insouciance qui est le modèle coupe basse. Il y a la pantoufle Bohème qui est le modèle coupe bottillon avec semelle en cuir foulonné. Et nous avons les moufles. Et alors, ces produits représentent quoi pour toi aujourd'hui? Ces produits représentent quoi? Ils représentent avant tout une histoire entre amis et ils représentent aussi beaucoup de travail. Une histoire entre amis parce que ce sont les pantoufles de Nassim. Et aujourd'hui, plein de gens en veulent. Donc c'est vraiment le pari entre amis, le pari entre collégiens qui a dérapé et qui est devenu une success story. Et c'est aussi beaucoup de travail, de développement. Mais c'est honnêtement
On fait avec une énorme joie et on ne l'a pas vu passer parce qu'on sait pourquoi on le fait. Un voyage, une aventure entre amis, enfin, c'est un bon point de départ. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée la croissance de votre start-up ces derniers mois qui n'ont pas été simples pour tout le monde en fait? On a commencé l'aventure de Simply il y a 6 mois, quand, en plein Covid, donc on est parti un peu à contre-courant, qu'on se le dise, mais ça marche bien. Et en plus de ça, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a une dizaine de clients. Surtout les cafés branchés de la capitale, mais aussi un des plus gros centres de yoga que je pense que tout le monde connaît, c'est Yoga Room. Donc on fait voilà, et on va mettre aussi en place un flagship store qui va ouvrir bientôt, exactement. Bientôt. Donc on ouvrira un flagship store le 4 décembre. Dans quelle ville ? À Bruxelles. Dans quelle commune ? On peut pas dire 1000 Bruxelles. 1000 Bruxelles, voilà. Exactement. On saura un petit peu plus. Donc, il faut garder ça à l'œil. Bon, toi, Maxime, c'est bientôt l'hiver, donc ça y est, là, on va vendre et on va avoir chaud. Exactement. Pour répondre à notre croissance ces derniers temps, je répondrai en 3 points. Premièrement, c'est que de manière générale, chaque année, nous croissons, nous multiplions par 5 la production. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé ? Parce que Candice, c'est 6 mois, vous, c'est ? 2 ans. Deux ans. Nous vivons notre deuxième saison. D'ailleurs, pour ceux qui auraient l'excellente idée de se rendre sur notre site maintenant, ils se rendront compte qu'il y a pas mal de pointures en rupture de stock, mais dans 3 jours, nous avons un nouvel arrivage qui arrive et tout sera remis, les stocks seront pleins. Donc on n'a pas d'excuse pour ne pas aller commander directement après avoir vu cette vidéo. 3 jours plus tard, en tout cas, là, tout sera plein. Deuxième point, c'est que cette année-ci, nous avons lancé le modèle La Bohème. Donc, nous voulions tester l'intérêt pour le modèle en lançant une campagne de précommande. L'objectif était d'avoir 40 précommandes. Nous en avons eu finalement 250. Et le dernier élément, c'est cette année-ci, nous sommes lancés dans les magasins pour tester un peu comment ça fonctionnait. Nous avons sélectionné 2 magasins, un à Moucron, un à Wans, près de Huy. Et malgré le confinement, chacun de ces magasins réalise 1 à 2 ventes par jour. Donc, on est comblés. Bon, vous avez l'air comblés tous les deux. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour vous aider, nous, le Start Lab et tout cet écosystème entrepreneurial ? Alors, pour nous, c'est très simple. On a ouvert notre flagship store il y a le 4 décembre. Donc, ça nous ferait énormément plaisir que vous passiez nous dire bonjour et grignoter une petite Energy Ball autour d'un petit café. Et en plus, si vous dites que vous venez du Start Lab, on aura une jolie surprise. Bah, magnifique. Et pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Le Start Lab nous aide déjà énormément. Tout au long de notre projet, nous avons différents besoins. Des besoins d'expertise pour notre e-commerce, des besoins d'expertise pour la logistique. Et pour l'instant, c'est au niveau de la production. Et donc, on est super bien entouré par le Start Lab. Et deuxième élément que j'aimerais utiliser cette plateforme, pour signaler que nous avons des besoins de financement, 60 000 euros en mars 2021. Pourquoi ? Pour financer notre croissance. Donc on a beau faire chaque année des bénéfices, multiplier par 5 sa production, ça demande du financement. Alors comment est-ce qu'on propose de le faire ? On propose de le faire avec un prêt proxy. Donc remboursable en 1 an, on emprunte en mars 2021, remboursé mars 2022, 5% d'intérêt, 1% d'intérêt par nous, 4% par crédit d'impôt, et cerise sur le gâteau, en cas de défaut de paiement, ce qui ne devrait pas arriver, nous avons les chiffres, on pourra en parler avec notre prêteur, la région bruxelloise s'engage à rembourser 30% du montant défaut. Alors il y a 2 conditions, être résident bruxellois et aimer vivre en flemmard. Oui. En tout cas, moi, j'ai bien envie de vivre en flemmard, j'ai bien envie de me nourrir avec des produits sains et d'avoir de l'énergie grâce à vous. En tout cas, vous m'avez donné plein d'énergie, plein de chaleur. Merci. Merci beaucoup. Ben, que des bonnes choses pour l'année prochaine. Merci. Bonne journée, Candice. Bonne journée, Maxime. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonjour, André-Pierre, André Dumont. Vous êtes avocat associé auprès du cabinet Beuil Légal. Et ça fait plusieurs années qu'on vous retrouve systématiquement à nos côtés pour aider des entrepreneurs à se lancer. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui passionne vos équipes lorsqu'elles aident des entrepreneurs ? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent les passionner. Il y a l'originalité du projet, l'enthousiasme de l'entrepreneur, c'est très très important. Peut-être aujourd'hui, plus que par le passé, le sens, les valeurs portées par le projet.
On voit que alors, quand il y a une valeur, eh bien, ils sont directement plus accros à soutenir ce projet et à s'investir. Mais je crois que l'élément le plus important, outre la découverte, parce qu'on est confronté parfois à des choses qu'on ne sait absolument pas et un peu, on est un peu comme un papillon attiré par la lumière de la nouveauté. Mais je crois une des choses qui est vraiment fondamentale pour nos équipes, c'est de pouvoir participer à la naissance et accompagner et faire naître comme un bébé le projet, évidemment dans les limites de nos compétences et dans les limites, parce que nous ne sommes évidemment pas le porteur du projet, c'est le porteur du projet, c'est évidemment le jeune entrepreneur, mais on essaye dans toute la mesure de possible d'accompagner au mieux cette naissance sans qu'il y ait de forceps ou autre chose. Bah, vous le dites très bien que votre expertise, elle est dans le domaine juridique. Donc, du point de vue d'un juriste, qu'est-ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on veut se lancer en tant qu'entrepreneur ? Eh bien, deux choses, je dirais. La première, c'est que le droit n'est pas fait pour faire obstacle à l'entreprise, mais pour l'accompagner. Alors, on considère que c'est généralement un coût inutile. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact et qu'il vaut mieux consulter plus tôt que trop tard. Et vous connaissez tous la formule d'avocat.be. Un avocat, ça se consulte avant plutôt qu'après. Mais je le remarque en fait aussi dans la pratique. Il ne faut pas, en tant que jeune entrepreneur, hésiter à consulter dès l'abord du projet pour estimer sa faisabilité, parce que parfois, on peut réorienter de manière très simple en donnant la contrainte juridique le projet qui pourra se réaliser, mais sans perdre de temps inutile parce qu'on a oublié tout à fait cette contrainte. Donc le conseil, ce serait peut-être d'aller très tôt voir un avocat ou un autre juriste, un accompagnateur juridique, de façon à ce qu'il puisse orienter, disons, et donner les bases qui permettront de faire une construction solide. Ça me paraît être un très bon conseil, en effet. Votre expérience, elle s'étend sur plusieurs années. Quels sont les freins que vous voyez au développement de l'entrepreneuriat et plus spécifiquement à l'entrepreneuriat chez les jeunes ? Je vois la paperasse. La paperasse. On est dans un monde où, ces dernières années, le législateur a adopté de très nombreuses réglementations dont on peut s'interroger sur l'utilité. Il ne faut pas en avoir peur. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Mais c'est un frein parce que vous avez un tas de papiers à remplir dès l'abord. Donc ça, il faut pouvoir... Oui, la constitution de la société, le choix de la forme juridique... Ça, ce n'est pas le plus compliqué, mais à côté de cela, vous avez les inscriptions à la TVA. Il y a le pacte d'associés, mais vous avez l'inscription à la TVA, toutes les démarches à faire auprès des administrations pour obtenir le petit sésame, évidemment... l'administration et plus particulièrement les taxes et autres cotisations ne vous oublient pas dès le premier jour. Et c'est peut-être là un frein, mais il ne faut pas se décourager. Il faut aller de l'avant. Si vous croyez à votre projet, il faut passer outre tout cela et se lancer et vraiment... Mais se lancer bien accompagné. Se lancer, mais bien accompagné. C'est toujours préférable. Alors... Est-ce que, on est entre nous ici, hein, donc est-ce que vous avez une anecdote, hein, un moment ou une rencontre qui vous a marqué ces dernières années ? Alors, ça fait, vous disiez qu'on accompagnait depuis un certain temps, ça fait plus de 20 ans en réalité qu'on accompagne comme ça des jeunes entrepreneurs dans le cadre du partenariat que nous avons avec Solvay Entrepreneurs. Or, c'est très difficile de sélectionner dans ces 20 ans une anecdote. On a eu des projets tellement variés. Moi, comme je suis gourmand, ce qui m'a marqué, ce sont les projets, par exemple, de pâtisserie sans sucre Delphi. C'était tout à fait particulier et étonnant quand on aime bien manger des sucreries comme moi. Nous avons eu aussi des projets qui m'avaient paru très, très intéressants. C'était l'utilisation des moulins à eau pour produire de l'électricité et réutiliser ce vieux modèle pour aller dans le 21e siècle. Ou bien, vous avez eu aussi, et ça avait fait beaucoup réagir à l'intérieur, les glaces pour chiens, qui sont aujourd'hui, je pense, en vente en grande surface animalière. Ça a été un projet qui a vraiment interpellé parce qu'il était curieux, disons, parce que personne n'avait jamais songé à ça. Mais donc, vous voyez qu'on voit de tout et c'est vraiment ces rencontres avec d'autres choses
qui sont vraiment intéressantes, c'est la rencontre. Et puis alors, parfois, on a encore le plaisir de rencontrer dans la cité ces entrepreneurs, ce qui est aussi toujours très enrichissant. Moi, je trouve ça magnifique. Après 20 ans, vous avez l'air aussi enthousiaste qu'au premier jour à découvrir des nouveaux entrepreneurs, à les accompagner, à leur donner des bons conseils. Et je pense qu'on va retenir le principal, c'est qu'effectivement, un avocat, ça se consulte plutôt tôt que tard. Et voilà. Si on est bien accompagné, eh bien, on pourra mieux se lancer. Mais je pense aussi qu'on pourra mieux réussir dans le futur. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit surtout pas hésiter à faire. André-Pierre, André Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous plaisir. Aujourd'hui. Merci aussi d'avoir été avec nous depuis toutes ces années. Vous allez voir tout à l'heure toute une série de nouveaux entrepreneurs qui se lancent. J'espère qu'ils pourront bénéficier de vos conseils. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Connaissez-vous la recette magique pour avoir plus d'énergie, vous sentir mieux dans votre peau et réduire votre stress? Trois mots. Faire du sport. Pour moi, le sport, c'est une passion. Une passion pour la pratique, une passion pour les exploits sportifs et quand j'étais plus jeune, une passion pour l'image et les slogans véhiculés par les grandes marques de vêtements de sport. Mais en grandissant, je me suis rendu compte d'une chose. D'un côté, on a les valeurs du sport et de l'autre, la réalité des vêtements de sport. Et ça ne va pas du tout ensemble. Le sport, c'est des valeurs d'entraide, de dépassement de soi, de solidarité. Et les vêtements, c'est une destruction de la planète et une exploitation sociale. C'est donc en partant de ce constat que j'ai décidé de créer Spreen Athletics. Spreen Athletics, c'est une marque de vêtements de sport qui réconcilie ces deux piliers en créant des vêtements à la fois techniques pour progresser dans ses activités sportives et durables en choisissant des fibres recyclées. Concernant la fabrication, on cherchait un atelier de confection qui respecte trois critères. Des bonnes conditions de travail, une usine à taille humaine et une usine sensible à son impact environnemental. Et c'est un petit atelier au nord de Riga, en Lettonie, qui a attiré notre attention. Il compte une trentaine d'employés et a pour objectif de ne plus travailler qu'avec des tissus éco-responsables. Le sport, c'est aussi appartenir à une communauté. Et avec Spreen Athletics, on a décidé de créer un mouvement, celui du Move for Change. Move for Change, c'est pour ceux et celles qui voient le sport comme un vecteur de changement. Bouger pour améliorer sa vie, mais aussi ce qui nous entoure. Alors faites partie de ce changement. Rejoignez notre mouvement et devenez une ou un sprinter. Cet été, j'ai traversé la Belgique à vélo. 340 km, 13 heures de selle, de Arlon jusqu'à Knokke. Ah, rien que d'y repenser, c'était génial, c'était vraiment très chouette. Ça peut paraître fou, hein, mais ce genre d'épreuve en tant que cycliste passionné, eh ben on adore ça. Prenez par exemple la Bike Inman Corsica, 850 km. Le tour du Mont Blanc, 338 km et 8500 mètres de dénivelé. Et bien sur ces épreuves, il y a beaucoup de cyclistes qui se rencontrent et ils prennent beaucoup de plaisir. Par contre, sur ces épreuves, la nutrition, ce n'est pas un détail. Si on prend des sandwichs jambon fromage dans notre dos, c'est un enfer. Après 4 heures de vélo en plein soleil, ils sortent tout seuls, ça pue, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on prend des barres énergétiques. Mais ces barres sont pleines de produits chimiques. L'emballage, je ne vous en parle pas, impossible à ouvrir. En plastique en plus, et elles sont vraiment pas bonnes la plupart. Le sport, c'est la performance, c'est le plaisir, mais c'est aussi la santé. Alors pourquoi consomme-t-on des produits qui ont un impact négatif sur elle? C'est pour ces raisons que j'ai décidé de lancer Coup de Barre pour démarrer la Ravito. Une barre naturellement énergétique qui apporte les bons nutriments au bon moment et tout ça dans un emballage compostable hyper simple à ouvrir. Et j'oubliais, elle est hyper bonne. Lorsque je traversais la Belgique à vélo, j'en avais 7 avec moi. Et c'est ça qui m'a permis d'arriver au bout. Et vous savez quoi? Zéro mal de ventre durant toute la journée. J'ai compris à ce moment-là que c'est de ça que j'avais besoin. Pour conclure, on pourrait dire que Coup de Barre nourrit nos exploits et protège notre moteur. Bonjour Aloïs, bonjour Evan. Alors, on parle beaucoup du besoin d'allier performance et éco-responsabilité. Pour vous, ça veut dire quoi? En fait, pour moi, il y a deux choses différentes, justement. D'un côté, la performance, et pour moi, ça, c'est une notion qui est plutôt propre à chacun. En fait, peu importe son niveau, l'idée, c'est toujours de se dépasser et finalement de progresser au fur et à mesure. Et c'est là que Spreen intervient, en fait, en créant des vêtements techniques pour
accompagner cette progression. Et donc, c'est des vêtements qui sont bien coupés, qui sont surtout respirants et qui sont adaptés pour différents sports. Et puis, on a le côté responsabilité. Et en fait, pour nous, ça n'avait aucun sens. D'une part, de vouloir motiver les personnes à avancer et à améliorer leur style de vie par du sport, tout en détruisant la vie d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et donc, en fait, c'est de ce constat qu'on s'est dit, on doit créer des vêtements de manière le plus responsable possible. Et ça se traduit par une production plus locale et éthique en Europe, par le choix de fibres recyclées et aussi lors des envois, par exemple, avec un emballage en carton recyclé et recyclable. Et chez vous, Evan, alors, performance et éco-responsabilité, ça se traduit comment ? Bien justement, nous, on est assez concernés par tout ce qui est sport d'endurance. Donc, par exemple, le vélo, le triathlon, le trail, etc. Et du coup, c'est des sports où ils ont deux besoins pour pratiquer leur sport. Premièrement, leur corps, et que leur corps soit en bon état, en bonne santé. Et ensuite, le bien-être de la nature, parce qu'un cycliste n'est rien, évidemment, sans sa montée à la montagne. Le trailer n'est rien sans le sentier. Et du coup, nous, en fait, avec nos barres énergétiques, on répond à ces deux besoins. C'est-à-dire que les barres ont des ingrédients biologiques, vegan, etc. Et du coup, avec tout ça, on agit de manière positive sur le corps de l'athlète. Et par rapport à la nature, on utilise des emballages compostables et du coup, on respecte tout à fait cette nature et aussi lors de nos productions. Du coup, c'est un petit peu ça qu'on fait, c'est qu'on agit positivement pour laisser les sportifs avoir ces deux caractéristiques propres à leur sport. Et donc, on a vraiment une combinaison entre performance et éco-responsabilité, mais il y a une autre combinaison qui est peut-être un petit peu particulière à toi, Aloïs, c'est que tu es étudiant-entrepreneur. Donc ça, c'est aussi une combinaison qui est parfois un petit peu rare. Tu peux nous parler un petit peu de la réalité de ce que c'est de se lancer comme entrepreneur à côté de ses études? Oui. Alors, en fait, à l'époque, j'étais étudiant à l'Université de Saint-Louis, mm-hmm. en communication, en première année. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de concret. C'est comme ça que j'apprends. Et donc, c'est des études assez théoriques. Et donc, en parallèle, j'ai décidé de lancer Sprint Athletics. Et en fait, au fur et à mesure que le projet se concrétisait, ça me prenait de plus en plus de temps. Et donc, à un moment, j'ai pris la décision de partir et de changer pour des cours du soir à l'EFEC, en marketing, justement, pour m'aider dans le projet. Et donc, actuellement, je suis en deuxième année. Et c'est un rythme de vie qui est vachement fatigant parce que finalement, la journée, je travaille sur le projet. Et le soir et le week-end, j'ai des cours. Mais par contre, c'est hyper enrichissant et ça permet déjà de développer des compétences et de vraiment apprendre plein de choses alors qu'on est toujours aux études. Et un gros avantage de ce statut, justement, c'est qu'il permet, sans trop d'encombre et sans trop d'investissement, finalement, de se lancer et de tester rapidement son idée, en fait, et de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quelque chose que tu conseillerais à un étudiant qui voudrait se lancer ? Oui, je pense que si on a besoin de pratique, qu'on a envie de faire des choses concrètes, c'est vraiment quelque chose, au plus jeune, au mieux c'est. Sur un autre sujet, moi, j'ai été très séduit par les barres Ravito et je me demande, probablement comme tous ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut acheter, où est-ce qu'on peut se procurer ces barres énergétiques ? Donc, Evan, où est-ce que tu en es au niveau de tes canaux de distribution aujourd'hui ? D'abord, merci pour la barre. Et ensuite, on a décidé de vendre exclusivement dans un premier temps sur notre propre site. Pour quelle raison ? On voulait exactement comprendre ce que voulaient nos clients et quelle meilleure manière de leur vendre directement sans avoir un intermédiaire et d'avoir seulement dans un deuxième temps des intermédiaires qui arrivent. Et c'est ce qui arrive à ce moment-ci. Donc, il suffit d'aller sur notre site www.coupdebarre.com et à partir de maintenant, on a des revendeurs B2B, surtout évidemment des sites d'e-commerce parce que pour le moment, avec le virus, c'est plus possible de démarcher des magasins. Donc oui, c'est sur notre site et le démarchage commence petit à petit en ce moment de magasins et j'espère le plus vite possible de magasins physiques. Bon, donc sur ton site et très bientôt dans un magasin proche de chez vous. Alors tout ça a l'air très bien, c'est ce que vous avez fait en 2020. 2021, quels sont vos challenges, c'est quoi vos ambitions, vos défis et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à les relever ? Justement, par rapport au challenge, nous, on est encore une très jeune marque. On s'est lancé il y a que quelques mois et donc un des gros challenges, c'est d'augmenter notre visibilité. Mm-hmm. Mais on veut le faire d'une manière très précise et c'est en gardant notre lisibilité. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont très visibles. On les voit partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, mais sont très peu lisibles. On ne comprend pas vraiment ce qui se cache derrière, où c'est produit, dans quelles conditions. Et donc nous, on a besoin d'augmenter notre visibilité, mais on veut que les personnes puissent continuer à comprendre la démarche derrière Sprint Athletics, notre ADN et nos valeurs. Et on a une demande très précise pour toutes les personnes qui finalement nous regardent. Depuis le début, Sprint, c'est le projet de créer une communauté de personnes qui veulent améliorer les choses par le sport. Et on a envie de lancer un défi avec toutes ces personnes-là, c'est de lancer un défi sportif pour le mois de décembre. Mm-hmm. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque entraînement, les personnes se prennent en photo ou prennent une vidéo. Et à la fin du défi sportif, en fonction du nombre d'entraînements qui aura été effectué, la personne pourra choisir quelle association elle veut aider.
Donc en fait, c'est une manière finalement de terminer cette année sur une note positive, en bougeant pour soi, mais aussi pour une cause qui est plus grande. Et en fait, l'idée, c'est que peu importe le sport que les personnes pratiquent, peu importe son niveau, ça peut être aussi une bonne occasion de se remettre au sport. Et donc en fait, pour participer à ce défi, il faut aller sur notre site internet. Et là, il y aura un onglet spécial qui s'appelle Move for Change. Et de là, il y aura toutes les informations pour s'inscrire. Pour pouvoir bouger, il faut avoir de l'énergie. Alors donc, les défis pour toi, Evan, pour cette année, c'est quoi ? Justement, en fait, ça va être de développer notre réseau de partenaires et de trouver des partenaires en fait qui ont les mêmes valeurs que nous et qui comprennent notre produit. On a Decathlon qui nous a démarché pour le moment, donc on est en négociation avec eux pour voir comment ça va se passer et on est à la recherche d'autres partenariats pour vraiment développer tout ce qui va être vente. Mais tout ça, c'est pas possible sans du financement et c'est pour ça qu'il va falloir trouver des financements adéquats. Donc c'est un petit peu ces deux choses-là qui vont arriver pour nous, c'est développer notre réseau de partenaires, de revendeurs et avoir les financements qui suivent par la suite. Quoi. Bon, pour l'année prochaine, grâce à vous, on aura de l'énergie, on va bouger. Merci beaucoup pour votre talent, votre enthousiasme et à très bientôt en 2021 pour voir là où vous nous aurez amené. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci. Bonjour Gilles Daoust, vous êtes le CEO de Daoust Intérim et aujourd'hui vous êtes nommé comme potentiel lauréat au titre de manager de l'année. Ma première question, c'est quelles sont selon vous les qualités essentielles à avoir lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur ? Pour moi, il y a trois qualités principales. La première, c'est d'être créatif parce que quand on se lance dans un nouveau projet, on n'a pas toutes les solutions. Souvent, on est jeune et donc on doit inventer. Et être créatif est indispensable. La deuxième chose, c'est d'être structuré parce que il faut pouvoir structurer les démarches, il faut pouvoir avancer, je dirais, dans un ordre relativement logique et poser les jalons. Et la troisième, c'est d'être humain, parce que quel que soit le projet, le secteur, le produit, on ne réussira pas tout seul, on doit s'entourer. Et si on n'est pas humain, les personnes qui travaillent avec vous n'auront pas envie de travailler avec vous. Donc c'est essentiel d'être très humain. Ceci dit, on ne doit pas forcément avoir soi-même ces trois qualités. Ces trois qualités doivent être présentes dans l'équipe, qui peut être composée de 1, 2, 3, 10 personnes. Mais il faut être conscient, je pense, de ces trois qualités. Et s'il y en a une qui nous manque, et ça peut arriver, personne n'est parfait, il faut essayer de trouver des personnes qui complètent à ce moment-là le team pour apporter ces qualités-là. Gilles Daoust, vous êtes diplômé d'une très brillante école de commerce. Si je peux me permettre de vous poser la question, quel rôle a joué l'université dans votre parcours ? Alors, moi, j'ai fait Solvay il y a 20 ans, ça commence à dater, à une époque où on ne parlait pas beaucoup d'entrepreneuriat. Je dirais même que créer sa start-up, quand on était à l'UNIF, c'était relativement mal vu, donc ça a quand même beaucoup évolué en 20 ans. À Solvay, on a appris à ne reculer devant aucun défi. Beaucoup de travaux de groupe, par exemple, étaient à remettre pour le lendemain, parfois dans des conditions d'urgence et de manque de préparation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris. Aussi, j'ai pu participer au début de Solvay Entrepreneur avec Jean-Claude Ettinger à l'époque, avec Olivier Whitmer. Et à travers les cours d'entrepreneuriat et aussi à travers la Start Academy, qui était un peu l'ancêtre du Start Lab, j'ai envie de dire, j'ai pu développer mon projet de start-up qui s'appelait Title Media. Et cet accompagnement-là m'a poussé aussi à challenger mes idées, à oser aller plus loin. Et ça m'a permis finalement de créer ma start-up juste avant la fin de mes études. Donc, ça m'a énormément apporté. Je dirais qu'en résumé, ce que Solvay m'a apporté, c'est au-delà des matières et des connaissances, c'est un esprit de combativité et de problem solving qui est vraiment indispensable dans toute création de start-up. Bon, on vous voit souvent assister à des présentations de projets, à des pitchs. C'est quoi les critères que vous recherchez pour un pitch qui arrive à vous convaincre ? Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, ce qui m'excite quand je participe à un jury, c'est le côté créatif, le côté original d'un projet. Alors évidemment, il y a des startups très, très viables qui sont dans des domaines, dans des niches qui ne sont pas forcément passionnantes. Mais moi, j'aime bien l'originalité et j'aime bien l'originalité cadrée. C'est-à-dire qu'au-delà, évidemment, de l'idée géniale
ou révolutionnaire, il faut effectivement cette capacité à la mettre en œuvre d'une manière réaliste, d'une manière progressive aussi, on ne peut pas tout faire en deux jours, et d'une manière humaine. Je ne suis pas un grand partisan des big bang, des croissances explosives qui parfois se font un peu au détriment des travailleurs de l'équipe qui rejoignent le projet, qui sont parfois à ce moment-là un peu désarçonnés lors de croissances galopantes, qui parfois sont stoppées ou reconfigurées à un certain moment. Donc moi, c'est une bonne balance, je reviens un peu à ce que je disais au début, entre cette créativité, cette structure et cette humanité. Mais ça, c'est très personnel, c'est pour moi. Mais donc, on voit qu'il y a quand même un grand pas à faire entre avoir une bonne idée et puis la mettre en œuvre. Vous venez d'en parler. Donc, en fait, pour vous, les étapes essentielles pour bien implémenter une vision, pour bien développer un plan d'affaires, les conseils que vous donneriez à un entrepreneur pour cette partie-là du développement de son projet, ce serait quoi ? Bah, c'est une question très vaste, évidemment. Donc, je prétends pas avoir réponse à tout, mais quelque chose de très simple pour moi, c'est d'avoir un plan à 3 ans qui nous permet de nous projeter dans 3 ans et de voir où est-ce qu'on veut arriver. 3 ans, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu, ça dépend un petit peu du secteur et du projet. Mais le fait de se dire, tiens, dans 3 ans, j'aimerais bien avoir atteint ce milestone, cet objectif, cette taille, ça permet de faire à ce moment-là un rétro-planning et de fixer ce que j'aime bien appeler des building blocks, donc des grands maillons, je dirais, de la chaîne qui vont vous mener à cet objectif, sachant que dans la vie d'une start-up ou d'une entreprise en général, on prend des centaines de décisions chaque année, voire des milliers de décisions chaque année, mais il n'y en a généralement qu'une dizaine qui sont vraiment très, très importantes et qui vont faire le succès ou l'échec soit du projet, soit d'un élément du projet. Et donc, le fait de se projeter à 3 ans, d'essayer de fixer une dizaine de building blocks par an, de gros objectifs qu'on doit absolument atteindre, permet de se focaliser sur les choses importantes. Quand on se lance dans une start-up, il y a énormément de choses à faire, on fait beaucoup soi-même au début, et c'est facile de se noyer dans la multitude de tâches à réaliser. Il y a un bouquin que j'adore et que je recommande toujours à tout le monde, en fait, c'est « The One Thing », qui explique justement ce focus sur les objectifs essentiels et le fait d'essayer de ne pas perdre de temps avec une multitude de petites choses pour se focaliser sur ces grandes marches qu'on va devoir gravir pour atteindre le succès. Voilà. Ça, c'est très inspirant, mais c'est surtout très structurant. Mais Gilles Daoust, vous en avez un petit peu parlé avant d'être le CEO de Daoust Intérim, vous avez parlé de cette start-up que vous avez lancée. Donc, en fait, vous êtes également scénariste, réalisateur, producteur belge de cinéma. Pour conclure, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait dans votre vie et que vous voudriez encore entreprendre ? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai une carrière très multiple dans les médias, dans l'entreprise familiale, aussi en tant qu'écrivain et chroniqueur. Et donc, moi, il y a une chose effectivement que j'ai pas encore fait. C'est pas un projet d'entrepreneuriat, mais j'aimerais bien un jour écrire un bon roman. Ça, c'est quelque chose qui me tiendrait à l'esprit. C'est pas du tout de l'entrepreneuriat, quoique, parce que ça demande aussi de la créativité, de la structure et de l'humanité. Mais voilà, ça, c'est un rêve d'enfant qui pourrait être un jour réalisé. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous entendre. J'espère qu'un jour, on aura encore plus de plaisir à vous lire, non seulement dans votre ouvrage sur l'entrepreneuriat, qui est très bon, je le conseille d'ailleurs, mais aussi sur votre prochain roman. Gilles Daoust, merci beaucoup. Merci pour votre soutien au Startlab, au PitchXL et aux entrepreneurs. Merci pour vos bons conseils et à très bientôt. Merci à vous. Bonne chance. Ne bougez pas, la suite arrive avec 4 nouvelles startups pleines de talents et pleines d'ambition. Leur story continue juste après la pub. Le Startlab, celui-là, ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui va vraiment se passer dans le futur. Startlab m'ont aidé à réorganiser toutes mes idées et à prendre un chemin un peu plus logique. Très agréable d'être entouré d'une certaine bienveillance, mais une bienveillance qui fait évoluer quand même.
Tu échanges plein de choses. C'est aussi d'encouragement. Ouais. On est tous des entrepreneurs, donc voilà, on se tient le dos et on est renforcé par cette unité. Là, tu te sens pas seule et tu te sens vraiment motivée parce que tu as une sorte de forme de communauté qui se forme et c'est ça qui est super sympa. Moi, en tout cas, ce que ça m'apporte comme je suis tout seul, c'est quand même avoir un esprit d'équipe. Tout le monde peut s'entraider. En fait, si on a le cowork qui est silencieux, si on va vraiment être focus, et on peut être complètement dans son travail. Et puis on a aussi le co-op café, et là en fait c'est beaucoup plus chill justement, et on est, bah, du coup on peut parler avec plein de gens, et c'est justement là où plein d'idées en fait émergent, juste au lunch du midi. Est-ce que tu montres ce que fait l'eau, est-ce que tu expliques un peu ce que tu fais, et c'est tous ces échanges qui sont tellement bénéfiques. Pour moi le StartLab c'est vraiment deux choses, c'est d'un côté les conseils, et de l'autre côté les rencontres qu'on fait au quotidien. La StartLab t'aide à poser la première brique de ton projet, je pense. Le StartLab, c'est un incubateur de projets, mais pour moi, ça a été un incubateur de confiance en moi. En fait. Le StartLab, c'est travailler en équipe, même si on est tout seul dans sa startup. Alors, le StartLab, c'est comme notre boussole dans l'aventure entrepreneuriale. Et voilà, on est déjà content de vous retrouver et de donc poursuivre notre rencontre avec quatre nouvelles startups, des acteurs de l'entrepreneuriat bruxellois. Et ça démarre tout de suite. Bonjour France de Kinder, vous êtes directrice à la Fondation Bernheim et un partenaire de longue date du développement de l'entrepreneuriat à l'ULB. Alors, la Fondation Bernheim aide exclusivement des initiatives soutenant la jeunesse bruxelloise. Pourquoi ce choix ? Mais finalement, c'est une stratégie qui nous appartient et on a décidé d'avoir de l'impact. Et pour ce faire, évitons de faire le grand écart, de saupoudrer les moyens dont nous disposons. Et la ville la plus jeune de ce pays est incontestablement Bruxelles. Il y a quand même près de 400 000 personnes qui ont moins de 25 ans qui habitent cette magnifique capitale et qui fait face à des enjeux majeurs pour construire finalement une société inclusive. Donc on a décidé d'opérer comme ça une série de choix depuis 2015, tant le périmètre géographique, donc toute la région Bruxelles-Capitale, que les thématiques qui nous intéressent à l'attention des jeunes avec un ciblage au niveau de l'âge, donc 12 à 25 ans. Et quels sont les enjeux majeurs auxquels ils font face ? Ben, c'est la définition d'un projet professionnel et leur insertion comme citoyens dans la société de manière active et non passive. Et donc, quelle est la place du StartLab dans vos activités ? Mais en fait, notre fondateur, M. Bernheim, était un entrepreneur. Donc, c'est véritablement dans l'ADN de la fondation. Il a été, sa famille a créé la chaîne de magasins Inno, à l'innovation, début du XXe siècle. Il a été un entrepreneur hors pair pendant plus de 50 ans. Et il a aussi joué, alors qu'il était autodidacte, il avait quitté l'école à 13 ans, un rôle important dans le développement de l'Université libre de Bruxelles. Donc ces deux raisons-là nous ont amenés à être attentifs dès le début de l'existence de la Fondation à ce qui se passait au niveau du soutien à l'entrepreneuriat au sein de l'ULB. Et donc vous soutenez des actions promouvant notamment l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat. Si on regarde sur les dernières années, plus particulièrement sur 2020, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent au niveau des initiatives que vous soutenez plus particulièrement ? Alors, je crois qu'il y a deux tendances. Un, c'est qu'il y a un attrait, visiblement, c'est ce qu'on observe, pour l'entrepreneuriat. Mais même pour le micro-entrepreneur, celui qui veut lancer son food truck et qui va finalement s'engager lui-même et peut-être une autre personne, jusqu'à l'innovation à une autre échelle portée par les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses au sein de l'incubateur. Donc il y a une appétence, il y a un appétit pour se dire finalement
l'auto-création d'emplois. Moi, je peux amener finalement mon propre projet professionnel. Ça, c'est vraiment une tendance qu'on a vue se développer et grâce à toute une série de dispositifs qui existent ici, à Bruxelles en particulier, eh bien, c'est un avenir pour les jeunes. Et puis de l'autre côté, ce qu'on observe, c'est ce besoin que tous les jeunes ont quand ils se lancent dans leur vie professionnelle de l'orientation et qui sont-ils véritablement. Et donc, on doit vraiment travailler de plus en plus là-dessus, bien entendu, dès le plus jeune âge, que ce soit dans les familles, mais que ce soit à l'école, mais après, dans des dispositifs à côté de l'école, mouvements de jeunesse ou autres, pour développer cette estime, cette confiance, connaître ses talents, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, pour se dire, ben, finalement, j'ai envie d'aller dans telle direction ou dans telle direction. Donc ça, ce sont vraiment les deux grandes tendances, de dire les besoins sont confiance en soi, estime de soi, création d'un réseau, qui suis-je, vers où j'ai envie d'aller, et de l'autre, c'est de continuer à soutenir vraiment cette auto-création d'emploi à quelque niveau que ce soit. Mais non, toutes les créations d'entreprises ne connaissent pas le succès, donc il y a pas mal d'entrepreneurs qui connaissent aussi l'échec. On entend ce que fait la Fondation Pulse pour remédier à ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'échec dans l'entrepreneuriat ? Alors ça, c'est vraiment un état d'esprit de la société dans laquelle nous vivons. En Belgique, je ne vais pas dire pas en particulier, c'est presque une tendance européenne, en tout cas non anglo-saxonne, de finalement penser que l'échec est à bannir ou n'est pas autorisé. Voilà, tout simplement. On voit bien que si on regarde vers nos amis anglais ou même de l'autre côté, vers les États-Unis, au contraire, c'est à partir de là qu'il y a un rebond et qu'on peut finalement apprendre et avancer. Donc, il faut en tout cas dire que ça fait partie du parcours pour n'importe quel développement, que ce soit dans la vie de manière générale et plus spécifiquement quand on lance sa boîte où les risques sont évidemment bien plus grands et reposent sur nos propres épaules. Bon, on est entre nous ici, donc je vais vous demander une petite confidence pour clôturer cet entretien. Si vous deviez vous lancer aujourd'hui comme entrepreneuse, votre projet, ce serait quoi ? Eh bien, du conseil en sortie culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement d'activités culturelles ici à Bruxelles en particulier, mais il y a beaucoup de gens qui en sont très éloignés. Ils ne savent pas du tout par où commencer, où aller. Ils se disent que ce n'est pas pour eux, etc. Et je pense qu'il y a une place pour faire du conseil ou en tout cas des propositions de package avec un travail de vulgarisation aussi, d'y aller progressivement pour amener les gens vers la culture. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est quand même, depuis 9 mois, c'est bien triste de ne pas avoir des moments, non seulement de détente, mais de découverte, de rencontre avec les autres. Et la culture a une place très importante dans notre société. Donc, encourageons en tout cas le chemin de tout un chacun, dès le plus jeune âge, vers ces lieux hautement nécessaires pour le développement d'une société. Ben voilà une note qui est encourageante et inspirante. France de Kinder, merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Merci aussi pour tout ce que fait la Fondation Bernheim pour soutenir l'entrepreneuriat. Et à bientôt pour la suite de ces projets que vous soutenez depuis tellement d'années. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous voyez cette photo derrière moi ? C'était une blanchisserie il y a plus de 100 ans, et accessoirement celle créée par mon arrière-arrière-grand-mère en 1905 à Ixelles. Et cette même blanchisserie est toujours dans ma famille depuis 150 ans maintenant. Et ça, ce que j'ai dans la poche, c'est la blanchisserie du futur. Et puis entre les deux, il y a votre machine à laver et tous les ennuis qui vont avec. La consommation d'eau, d'énergie, le repassage, etc. En moyenne, un Belge s'occupe de son linge pendant plus de 10 heures par mois. Et pour une famille de 4 personnes, ça représente un budget d'environ 80 euros. Alors que de l'autre côté, y a plus de 1000 blanchisseries en Belgique qui sont là pour vous aider et qui s'occupent de votre linge sûrement bien mieux que vous. Alors pourquoi pas faire appel à eux ? Avec Wash, c'est ce qu'on veut faire. On veut digitaliser les blanchisseries pour les rendre plus sexy, modernes et accessibles. Tout ça en développant des outils très simples d'utilisation. Par exemple,
Avec Wash et votre téléphone, vous pouvez commander et faire vos lessives en 4 clics. Vous commandez en ligne, on récupère votre linge, une blancherie professionnelle le lave et 3 jours plus tard, il revient tout propre. Mais Wash ne veut pas s'arrêter là. On va désencombrer votre maison de votre machine à laver et on va vous libérer de ces heures de corvée. Vous pourrez enfin réellement vous concentrer sur l'essentiel parce qu'on va faire sortir ces tâches ingrates de votre vie de famille et de votre vie professionnelle. On a réellement compris que nos habitudes évoluent très rapidement. On va faire entrer vos lessives et le monde de la blanchisserie dans l'ère du digital. En fait, je suis une exception. Je suis heureux au travail. Et je suis tellement heureux que pour le moment, je travaille et je suis même pas payé. Où est-ce que je travaille ? Chez iBloom. Et iBloom, qu'est-ce que c'est ? Un collecteur de sentiments. Simple et rapide. Chez iBloom, on est convaincu que l'épanouissement au travail peut devenir la norme. Tout le monde peut avoir un impact positif sur cet épanouissement et chaque personne épanouie est un moteur pour son entreprise. iBloom, c'est un environnement digital où chaque collaborateur peut exprimer comment il se sent dans l'entreprise. Notre concept, c'est les Click and Bloom, des affirmations courtes auxquelles on réagit anonymement à l'aide de smileys. Ces ressentis-là, vous n'avez ensuite plus qu'à les écouter. Plus de flou, plus de suppositions. Grâce à votre dashboard, vous avez une réelle compréhension de vos équipes. En plus, on vous montre exactement où agir pour booster l'épanouissement dans votre entreprise. Alors, quelle implémentation demande ce petit bijou ? Bah rien. Il n'y a pas d'implémentation, il n'y a pas de téléchargement. Vous décidez, ça démarre. En un clic, vous sondez toute votre équipe. En 2 clics, vous les comprenez. Avec nous, vous aurez les moyens pour booster l'engagement et l'épanouissement dans votre entreprise. Alors n'attendez plus pour faire de tous vos employés une exception. Bonjour Margot, bonjour Jasper, bonjour Tom. Vous avez tous les deux une solution digitale à proposer aux entreprises. Alors, Jasper, quels sont les challenges et enjeux d'implémenter une solution digitale ? Chez nous, un gros challenge, c'est d'avoir une solution qui, à la fois, est simple et rapide à implémenter, mais qui permet de la personnalisation aux clients. Ça doit être simple et rapide parce que les entreprises, aujourd'hui, plus que jamais, elles ont besoin d'agilité et de choses qui se mettent rapidement en place. Et puis, il faut de la personnalisation parce que chaque entreprise est différente, chaque entreprise a ses besoins auxquels il faut pouvoir s'adapter. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux d'offrir une solution qui, à la fois, ne demande aucune implémentation et qui s'adapte réellement au rythme de vie, à la structure, à la taille et au vécu de chaque entreprise. Et toi, Tom, ta solution digitale, compliquée ? Alors, compliquée, non. Maintenant, il faut vraiment qu'on puisse changer les habitudes. Donc, on propose nos services donc, de blanchisserie nettoyage sec en entreprise. Mais c'est une habitude qui n'est pas encore classique, en tout cas en Belgique. C'est vrai que l'entreprise est de plus en plus un lieu de vie, un lieu de passage. On peut y manger, on peut un peu aller chez le coiffeur dans sa boîte, mais on n'y apporte pas vraiment encore son linge. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est très important pour Wash, c'est de créer cette habitude pour simplifier la vie des employés et des personnes qui y travaillent. Et tout ça avec une plateforme qui est digitale à la base. Exactement, oui. Chez iBloom, je pense que vous avez quand même pivoté plusieurs fois au cours du parcours de l'entreprise. Peut-être pouvez-vous nous raconter un petit peu les pivots par lesquels vous êtes passé ? Oui, il y a en effet eu pas mal de pivots. C'est vrai que, par contre, c'est quelque chose qui est toujours resté, malgré tous les pivots. On a toujours été vraiment guidé par cette envie d'avoir un impact positif sur l'épanouissement au travail. Ça, c'est toujours resté. Après, il y a deux pivots, entre autres, parce qu'ils sont plus récents. Le premier, c'est qu'on a eu un shift 100% digital. Et ça, c'est, voilà, le monde, il se digitalise, ça en cours depuis quelques années, et c'est sûr que le Covid récemment et le télétravail, ça n'a fait qu'accélérer ce processus qui était déjà en marche, et nous, on a vraiment décidé qu'iBloom devait s'inscrire dans cette nouvelle réalité et répondre vraiment à ce contexte. Et le deuxième pivot, il concerne plus notre client cible. En fait, notre solution, elle fonctionne très bien dans tout type de taille d'entreprise, mais nous, on a vraiment décidé de se concentrer particulièrement sur les structures entre 50 et 500 collaborateurs. Et ça, c'est vraiment en les rencontrant qu'on a compris que d'une part, elles étaient souvent moins bien outillées que les grandes structures. Et puis surtout, ça manquait de solutions qui peuvent répondre à leur niveau et à leurs besoins d'agilité. Votre solution, c'est une solution B2B. Donc, qu'est-ce que ça fait de se lancer dans le B2B quand on est jeune comme vous ?
Clairement, c'est impressionnant. Je me souviens de notre tout premier rendez-vous, c'était chez Proximus. Avec Jasper, on s'est préparé pendant des heures. On est arrivés tous les deux au pied de ces grandes tours, deux petits jeunes avec leur projet de start-up. Et on pensait vraiment que notre jeunesse était un point faible. Et en fait, pas du tout. On a toujours été super bien reçus. Et on a été frappés par la bienveillance des gens vis-à-vis des jeunes entrepreneurs et de leur volonté de nous encourager et de nous soutenir. Et donc, c'est incroyable le nombre de personnes qui nous ont aidés et qui nous aident bénévolement dans notre développement. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Tu fais bien. Et donc, en fait, ce qu'on pensait être notre plus grande faiblesse s'est avéré être une vraie force pour l'équipe. Ouais, Tom, tu nous dis aussi que tu essayes de changer la perception de ce qu'on peut faire en entreprise. Toi, ça s'est passé comment, tes premières réunions avec tes prospects ou tes clients ? Alors, c'est sûr que ça a été un énorme défi, surtout pour les premières réunions. Mais j'ai su très vite que je ne voulais pas du tout rester sur les bancs de l'UNIF ou faire une grande carrière corporate. Donc j'ai décidé de me lancer et même si j'avais un petit peu peur au début, ben j'ai essayé d'utiliser cette jeunesse comme une force et montrer vraiment qu'on est dynamique, qu'on veut innover, qu'on veut changer les choses. Et au final, ça a été vraiment très bien pris par les entreprises et ils voient vraiment en nous l'avenir. Et donc le fait d'être jeune n'est pas spécialement un problème dans le monde de l'entreprise et dans le monde du B2B en tout cas. Vous faites preuve d'agilité, vous avez la force de la jeunesse pour vous, tout ça c'est magnifique, mais c'est quoi vos objectifs alors pour l'année prochaine ? Qu'est-ce que nous, en tant que communauté, hein, parce que le Start Lab c'est une communauté, et puis tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous l'année prochaine, Margot ? Nos objectifs c'est clairement des clients, clairement pour les trois prochains mois, c'est d'avoir plus de clients, donc on a vraiment pris le temps de comprendre la demande, de développer notre solution, maintenant elle est prête, donc on a vraiment l'objectif de grandir, on demande qu'à accompagner un maximum d'entreprises. Et donc notre demande, c'est si vous êtes responsable RH ou manager, rencontrez-nous, découvrez notre solution, on peut vous aider. Si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage qui cherche à booster l'épanouissement, l'engagement dans son équipe, c'est nous mettre en contact. Comme ça, on pourra l'accompagner dans cette démarche. Et finalement, si vous travaillez dans une entreprise et vous souhaitez que cette entreprise s'ouvre à la culture du feedback et vous aussi pouvoir exprimer votre ressenti grâce à des click and bloom, mettez-nous en contact avec votre responsable RH et on fera notre possible. Et vous, Tom, c'est quoi votre demande à la communauté pour l'année prochaine ? Nous, on recherche vraiment maintenant à créer une équipe dynamique, passionnée, qui sont prêts à relever énormément de défis et surtout à innover dans un secteur qui est vieillissant comme celui de la blanchisserie. Ça, c'est vraiment une première chose. Et alors, si vous voulez gagner du temps ou faire gagner du temps à vos collègues, n'hésitez pas à nous appeler et on va s'occuper avec grand plaisir de votre lessive. Bon, donc, que ce soit en B2C, que ce soit en B2B, en tout cas, votre jeunesse et votre talent ont de quoi séduire. Tous mes vœux de succès pour 2021 et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Nico Smets, vous êtes responsable pour la zone Bruxelles chez Acerta. Alors, dites-nous, à quoi ça sert une société comme Acerta quand on veut se lancer comme entrepreneur ? Bonsoir Benjamin. Laisse-moi vous répondre avec une question. C'est quoi le thème de ce soir du pitch XXL de Solvay Startup ? Le thème ce soir, c'est « Be part of their story ». Voilà, exactement. « Be part of their story ». C'est ça qu'on veut être et c'est ça qu'on peut être chez nous, chez Acerta. Nous sommes une société qui est active dans toutes sortes de domaines des ressources humaines. Un indépendant qui veut commencer, il a besoin d'une caisse pour payer ses allocations. On est là pour lui. Pendant qu'il évolue dans son projet, on est là pour lui aussi. Comme par exemple, s'il a besoin d'embaucher quelqu'un, on est là comme Acerta, pas uniquement pour faire les calculs des salaires, mais aussi, par exemple, s'il a besoin de l'aide pour trouver la femme ou l'homme, le meilleur femme ou homme pour ce boulot-là, on est là pour lui. OK, donc des services aussi pour des aides au recrutement, de la sélection. Exactement. On peut compter sur Acerta pour ça aussi. Exactement. Et tout ce qui concerne les questions légales, point de vue, les questions sociales, on est là pour lui ou elle aussi. OK, donc vous fonctionnez comme une caisse pour indépendants, mais aussi un rôle de secrétariat social, je pense. Exactement. Et le rôle de secrétariat social est très important aussi parce que, comme indépendant, si vous avez des gens, vous voulez naturellement qu'ils sont payés d'une manière correcte et d'une manière légale et naturellement au bon moment. Alors,
be part of the story, ça veut dire que vous accompagnez des entreprises tout au long des stades de développement de leur vie. Quels sont les challenges que vous voyez justement chez ces indépendants, chez ces PME, chez ces starters? C'est quoi leur challenge? Oui, une très bonne question. Si vous m'avez posé cette question l'année passée, au mois de décembre 2019, je pensais que ma réponse serait toute une autre réponse, mais en fait, ce n'est pas le cas. Je pense que l'année 2020, avec le corona, le Covid-19, tout le monde a souffert à cause de cela, mais ça a mis les choses encore beaucoup plus dans la lumière. Et je pense que le vrai défi pour un indépendant, pour un starter ou un PME, c'est de vraiment se lancer dedans et faire son projet. Il faut y aller, il faut y croire, il faut le faire. Les challenges sont là parce que tout va très, très, très vite et tout va d'une manière, oui, très digitalisée, si je compare ça il y a 10 ou 15 années. Mais si je vois les gens qui participent ici au StartLab, si je vois leur énergie qu'ils ont, leurs idées qu'ils ont, je pense que oui, ils sont très bien munis pour affranchir n'importe quel défi. Alors, concrètement, quel conseil vous avez envie de donner justement à ces startups qui pitchent aujourd'hui? Ouais. Quel conseil est-ce que je peux donner? Ben, d'abord, je veux les remercier parce que c'est eux, les jeunes, qui me donnent moi aussi, et une société assez grande comme Acerta, on reçoit aussi de leur énergie. Et ce que je voudrais dire comme réponse à ta question, Benjamin, c'est il faut rêver, il faut oser, il faut faire, il faut vivre et surtout aimer ce que vous faites et vous amuser là-dedans. Et là, les gens, vos clients, vos partenaires, les gens qui travaillent pour vous, ils vont le sentir et ils vont refaire ça aussi. Donc ça, c'est beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Mais c'est quoi l'erreur à ne pas faire? L'erreur à ne pas faire, je pense que c'est très important que si on a un certain échec, c'est de recommencer. Pour moi, l'échec n'est pas si on ne réussit pas. L'échec, c'est si on ne réussit pas, on ne se remet pas en question et debout. Il faut refaire, re-oser, toujours aller. Et si ça ne va pas d'une manière, il y a sans doute une autre manière pour le faire. Je vais prendre l'exemple de Steve Jobs, par exemple. Il a commencé avec un ami dans une garage, avec des idées assez folles dans ce temps-là. Ben, on connaît tout l'histoire d'Apple. Maintenant, tout le monde, ou quand même beaucoup de gens, ils ont un appareil d'Apple. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui commence aujourd'hui ou demain avec StartLab doit devenir le nouveau Steve Jobs, mais laisse ça vous inspirer qu'il y a toujours un chemin. Il faut y aller. Et si ça ne marche pas avec projet 1, il y a un projet 2. Et il faut savoir qu'il y a des sociétés comme Acerta qui est là pour vous. On est part de votre story. Si vous avez le moindre souci, la moindre question en ce qui concerne les ressources humaines, en ce qui concerne votre vie comme indépendant, on est là pour vous. N'hésite pas, prends contact avec nous, on va vous aider. Alors, en tout cas, merci pour, en tout cas, pour cette proposition. Je pense que c'est le bienvenu pour la plupart des entrepreneurs. Vous parliez tout à l'heure justement de 2020, du corona. Si on doit prendre un petit peu de perspective, parce que vous voyez plein d'entreprises dans plein de secteurs, qu'est-ce qu'on a appris de 2020? Qu'est-ce qui s'est passé pour nos entrepreneurs cette année? Qu'est-ce qu'on a appris de 2020? Ce qui est très important pour moi, pour nous comme société Acerta, c'est de rester positif. La résilience est quelque chose de très important. Et on a vécu ça chez nous-mêmes aussi avec des réflexions qu'on a eues de nos clients indépendants, que ça a été une année très, très, très difficile pour eux. Mais la plupart d'entre eux, ils ont montré un niveau de résilience génial et ils ont redéfini leurs propres activités, leurs propres idées et ils ont cherché des moyens pour en sortir. Et c'est ça, pour moi, la leçon de 2020, même avec quelque chose qui est là d'un jour à l'autre, qui bouleverse toute notre vie pour tout le monde, ben ok, on continue, on y va. Je trouve que c'est très encourageant, en tout cas comme perspective, et c'est bien que vous teniez à côté justement de ces entrepreneurs. Si je peux vous demander, sur ces dernières années, dans tous les projets entrepreneuriaux que vous avez vu défiler, je suppose qu'il y en a eu plein,
Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus particulièrement marqué, que vous voudriez peut-être mettre en avant ce soir en disant, tiens, là, Acerta a quand même joué son rôle et plutôt ouais. bien. Oui. On a beaucoup d'histoires comme cela. Une histoire qui m'a touché profondément, moi personnellement, parce que je connais la personne en question. C'est quelqu'un jeune qui avait une idée assez rêveuse. Il a quand même insisté à continuer son business avec ça. Il a commencé tout seul. On était là depuis son premier jour. Mm-hmm. On l'a accompagné. Maintenant, il est CEO d'une entreprise de 1500 personnes. Vous voyez ? Et c'est ça qui peut inspirer tous les autres aussi. Ben, je pense que c'est une très, très bonne manière de se quitter sur cette note positive en souhaitant probablement à toutes les entreprises qui pitchent ce soir d'un jour se développer, d'avoir 1500 personnes qui travaillent pour elles. Et si pas 1500, au moins d'être heureux dans leur travail et d'y contribuer. Nico Smith, merci beaucoup. Merci à Acerta d'accompagner les entrepreneurs. Et à très bientôt. Merci à vous. Vous avez les cheveux crépus, frisés et bouclés? Sachez que vous dépensez 7 fois plus en produits capillaires, que vous rendez 25 fois par an chez le coiffeur et que vous dépensez 100€ à chaque visite, et que vous faites partie de 14% de la population belge qui a du mal à pousser les portes d'un salon de coiffure dit traditionnel. Ça a été mon cas. J'avais trop peur qu'on me dise « Je ne peux rien pour vous, connaissez-vous éventuellement Matongé ?» Mais quelle question! Du coup, j'étais tellement frustrée que j'ai décidé de créer ma propre solution. Ouzi. Un bar à soins dédié à l'entretien des cheveux crépus, frisés et bouclés. Ce bar à soins, c'est une invitation au voyage dans l'univers du cheveu. Et vous savez comme moi que pour tout voyage, il vous faut un passeport. Et ce passeport, nous, on vous l'offre. Vous y trouverez un diagnostic capillaire, des conseils personnalisés, les soins réalisés, les produits achetés chez Ouzi. Chez nous, nous utilisons essentiellement des produits naturels, dont certains viennent d'Afrique, comme le beurre de mangue, le beurre de karité, mais il y a aussi les huiles essentielles comme le romarin et l'amande poivrée. Produits que vous pouvez retrouver à la vente pour continuer à prendre soin de vos cheveux une fois arrivés chez vous. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à pousser la porte de notre bar à soins, de vous enregistrer, de vous asseoir à votre siège et de profiter du voyage. Et nous, on se chargera de prendre soin de vous et de vos cheveux. Ouzi, un bar à soins à l'écoute de votre identité capillaire. Quand vous avez un problème médical, en Belgique, vous avez le choix entre plusieurs options. Un généraliste, un spécialiste, voire plusieurs spécialistes. Dans le cas du deuil et de la succession, en tout cas en Belgique, il y a une situation monopolistique de fait qui légalement est injustifiée. C'est le passage par le notaire. Dans la plupart des situations de sa vie, un humain peut avoir le choix. Mais dans la plus difficile, sans doute, il ne l'aurait pas. C'est là qu'on a vu une incohérence. Et Legatio est né de ça. Donc, Legatio, c'est une équipe de juristes qui a créé une solution très simple pour gérer une succession. Comment ça marche? Vous nous appelez, en moins de 24 heures, on prend tout en charge. C'est-à-dire que vous avez l'assurance d'être débarrassé du côté administratif de votre situation et vous pouvez vous centrer sur l'essentiel pour vous à ce moment-là, votre famille, vos proches. Vous avez un interlocuteur unique, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que le relais entre votre dossier et toutes les administrations. Il fait un suivi hebdomadaire, sans jargon juridique. Ce n'est pas vous qui l'appelez, c'est lui qui vous appelle. De plus, notre calcul du prix est d'une transparence totale. Vous payez un prix fixe, sans surprise ni dépassement, et qui surtout ne dépend pas du montant de l'héritage. En fait, vous payez en fonction de notre travail, pas en fonction du travail et de la sueur de vos parents. Je rajouterai une dernière chose. Jamais on n'aurait imaginé être autant nourri par la profondeur des relations qu'on noue avec nos clients. Bonjour Hélène, bonjour François. Bonjour. Bonjour. On vient de vous entendre, vous avez choisi d'innover quand même au sein d'industries plutôt bien établies, plutôt traditionnelles. Pourquoi est-ce que vous avez challengé ces secteurs-là en particulier? Pour ma part, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité de la population en Belgique qui n'avait pas accès aux salons de coiffure dits traditionnels. Quand je dis traditionnels, c'était qu'ils ne trouvaient pas en fait, de coiffeurs spécialisés pour entretenir leurs cheveux texturisés.
Et moi-même, je suis passionnée par la coiffure. Moi-même, je fais partie de cette communauté. Et donc, je me suis dit, en fait, pourquoi on est relié au second plan? Et il serait temps de trouver une solution pour ce type de cheveux-là. Et donc, je me suis lancée dans ce projet. Bon, alors, je comprends bien pourquoi Hélène s'intéresse au problème de la coiffure. J'avoue que je ne comprends pas spontanément pourquoi toi, tu as choisi ce projet-là. Donc, pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce secteur? Et pourquoi tu t'es dit, ça, c'est un secteur que j'ai envie d'aller challenger? Simplement, je trouvais ça incohérent que dans une des situations qui est quand même la plus difficile d'une vie, on n'ait pas le choix, simplement. Une de mes valeurs principales, ça reste la liberté. Et donc, dans cette situation, je voulais que les gens puissent choisir une alternative au notaire. Je comprends bien. Et donc, tu me parlais du choix du secteur, tu dis je fais partie de cette communauté, mais peut-être que tu as une anecdote qui t'a à un moment dit, ok, ça y est, je me décide, il faut que je me lance. C'était à quelle occasion, c'était à quel moment? En fait, j'ai eu un déclic. Donc, j'ai eu dans mon parcours à rencontrer des personnes très importantes. Et je comptais vraiment sur ces partenariats-là pour me décider à me lancer. Et donc, on avait des pourparlers ensemble pendant un laps de temps assez long. Et du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. Et donc, j'étais complètement perturbée. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou est-ce que je suis, est-ce que c'était le bon chemin ou pas? Et donc, du coup, il y a un ami à moi qui m'a dit, mais pourquoi tu ne serais pas ta solution, en fait? Pourquoi tu ne créerais pas, toi, ton propre projet et pourquoi te tourner vers quelqu'un d'autre? Et là, du coup, ça a fait sens, en fait. Je me suis dit, bah oui, en fait, je connais très bien cette cible, donc pourquoi pas partager mon expérience et mon expertise, tout simplement. Et toi, le moment pivot, le déclic, ça s'est fait quand? Ça s'est fait lors d'une rencontre avec Boris de Blücher, qui est un ancien avocat en droit des successions, un peu par hasard, qui, lui, travaillait déjà dans la succession, qui avait déjà des clients, mais qui avait difficile à se faire connaître. Et puis, suite à cette rencontre avec moi, qui a plutôt des compétences techniques, et Kylian, des compétences au marketing, on pensait avoir un trio de compétences qui nous permettait d'innover dans un secteur qui n'avait pas été depuis longtemps. Et donc, vous voilà entrepreneur. Yes. Voilà, ça y est. Donc, pour vous, être entrepreneur, fondamentalement, c'est quoi? Pour moi, c'est trois choses. Enfin, c'est d'abord le mindset, donc qui est lié à la personnalité, et puis la foi, parce que c'est croire en quelque chose qui n'existe pas, en fait. C'est donc de réaliser un projet qui n'est pas encore connu, et donc de trouver la solution et de faire en sorte qu'il prenne jour. Et c'est une personne aussi qui est tournée vers l'autre. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. On trouve une solution, et l'objectif, c'est de faire en sorte que des personnes soient satisfaites. Donc pour moi, c'est ça, c'est ces trois choses-là. C'est pas pour nous, c'est pour les autres, c'est ce que tu racontes aussi. Oui, je rejoins un peu Hélène sur la foi. Je pense qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de résilience et de consistance. Je suis assez convaincu que tout le monde peut réussir à son entreprise, ou en tout cas, son entreprise à la hauteur de ses ambitions, que ce soit une petite, une moyenne ou une grande boîte, mais que c'est qu'une question de temps. Et que donc il faut avoir beaucoup de résilience, consistance et garder foi en ce qu'on fait, je pense. Mm-hmm. Bon, vous me semblez avoir la motivation, la foi, la résilience. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour vous aider en 2021? Pour ma part, moi, je vais me lancer en 2021, en août 2021, plus précisément, en lançant mon premier pop-up store. Donc, toutes les personnes qui auraient les cheveux crépus, frisés et bouclés, donc je les invite à venir me rencontrer. Et si c'est au nom de la Start Lab, c'est encore mieux. Et pour tous les coiffeurs qui désirent évoluer dans une entreprise innovante, qui les met au cœur, en fait, du management, n'hésitez vraiment pas à me contacter parce que c'est un tout nouveau projet qui va prendre jour et je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et c'est un système de franchise que tu fais, donc système de franchise avec un concept d'entreprise libérée, donc où vraiment le coiffeur, au-delà de ses compétences techniques, pourrait aussi mettre en avant ses compétences peut-être managériales, on ne sait jamais. Donc voilà, donc je serais très heureuse de les rencontrer. Bon, toi, Maxime, on te voit dans la presse, on t'entend à la radio. De quoi tu as encore besoin pour ton entreprise en 2021? Je pense que ce qu'on vise en 2021 avec Ligatio, c'est d'être le leader de la succession en Belgique et notamment de se développer en Flandre. On recherche d'ailleurs des juristes qui parlent flamand et français. Et je pense que ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'évangéliser un marché qui aujourd'hui est plein de croyances. Et donc de parler du fait que le notaire n'est pas obligatoire en Belgique, c'est quelque chose qui peut grandement nous aider. Au sein du Startlab, évidemment, je pense que c'est une boîte à outils qui va nous aider dans cette vision et qui nous a déjà beaucoup aidé au début, notamment à travers le réseau et la formation qu'on a. Et donc je compte bien compter sur eux pour continuer. Bon, pas besoin de couper les cheveux en quatre, hein. Vous avez du talent, vous avez de l'ambition, vous avez du courage.
On se donne rendez-vous en 2021 pour voir les fruits de votre succès. En tout cas, bonne chance, que tout se passe bien. À très bientôt. Merci, au revoir. Benjamin. Merci beaucoup. Bonjour Emna Evrard, vous êtes cofondatrice du site de vente en ligne de produits sains Casidomi. Bonjour Aurélien Marino, vous êtes le fondateur du projet Happy Hours Market, l'application mobile qui permet aux distributeurs, aux consommateurs et aux banques alimentaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, Emna, quels ont été pour vous et votre start-up les moments forts de cette année ? Alors, il y en a eu énormément parce que bah, nous, c'est un site e-commerce, donc forcément l'e-commerce a eu la chance d'être en plein boom avec la crise. Donc le confinement a été un gros moment fort. Ça a été un moment où il a fallu énormément s'adapter et grandir les équipes. Donc ça, c'était le premier gros élément. On a été élu e-commerce de l'année aussi par le B-commerce. Donc grosse étape pour toutes les équipes. Et en parlant d'équipe, on a passé le cap des 50 personnes et des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis la création de Casidomi. Donc grosse année. Grosse année 2020. Et vous, Aurélien ? Pour moi, c'est aussi donc effectivement le confinement, ça nous a impacté différemment. Il y a eu beaucoup plus d'invendus alimentaires. Donc au premier confinement, l'espace d'un mois et demi, on a battu nos records de récupération. On a récupéré plus de 120 tonnes de nourriture qu'on a distribuées aux associations. Et on a mis en place un réseau pour aussi transformer des plats avec des chefs bruxellois. Et donc on a distribué plus de 8000 plats à des médecins en frontline avec le Covid et aux personnes aussi démunies, SDF. Donc c'était très, très important pour nous et ça s'est bien passé. Excellent. Et, bon, vos deux projets, à vous écouter, il y a quand même une forte composante sociétale et environnementale. En fait, votre impact, comment il grandit au jour le jour ? Comment il grandit ? Ben, nous, on fait le bien, je dirais, parce qu'on vend des produits sains. Donc déjà, on contribue à ce que les gens aient accès à des produits sains de manière plus facile, mais aussi plus abordable. Donc là, il est assez marqué, l'impact. Et puis, on a une de nos valeurs, c'est clairement d'être le plus respectueux de l'environnement possible. Donc, on met toute une série de choses en place. On a été certifié B Corp l'année passée, d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc, on essaye vraiment de réduire notre empreinte écologique. Et on a d'ailleurs pour ambition d'être CO2 neutral très prochainement. Excellent. C'est vous. Et nous, de notre côté, bah, l'impact, il est au day-to-day, puisqu'on récupère les invendus des magasins, qu'on redistribue à des associations. Donc, l'impact écologique et social, il est permanent. Aujourd'hui, on convainc de plus en plus de partenaires à travailler avec nous. Donc, plus on avance et plus on grandit, plus l'impact est positif et important, en tout cas, pour le moment, au niveau bruxellois. Un vrai cercle vertueux, alors. Oui. Excellent. Ça, c'était pour 2020. Vos objectifs pour la suite, c'est quoi ? Alors, les objectifs pour la suite, il y en a pas mal. Nous, on veut se développer à l'international. Donc, aujourd'hui, on a bien construit, des fondations sur le marché francophone, en France et en Belgique. Et on développe là maintenant la Hollande et on a vraiment pour ambition de se développer très fortement dans les prochaines années. On veut développer notre gamme de produits propres aussi. Donc, il y a la marque Casidomi qui existe déjà et qui va devenir de plus en plus marquée dans les prochaines années. Il y a cette idée d'être CO2 neutral, bien évidemment. Donc voilà, pas mal de gros projets. La liste est longue, mais voilà, on pourra les découvrir à un autre moment. Et l'ambition en chiffre d'affaires, on a combien ? Mais écoute, on a d'ici quelques années 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce serait le gros dream. Donc voilà, on va tout faire pour pouvoir y arriver. Notre niveau, c'est pas la même chose. On se développe encore à Bruxelles, mais donc le projet marche très bien dans le sud de Bruxelles à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est de développer à toute la ville de Bruxelles et bientôt en Wallonie avec des franchises aussi. Et voilà, on a aussi découvert d'autres problèmes au niveau de la distribution alimentaire. Donc on développe d'autres outils qui permettent aussi à nos partenaires de mieux gérer leur stock et avoir en fait un impact encore plus important au niveau de la gestion du gaspillage alimentaire. Donc, on est ici aujourd'hui au Pitch XXL. Donc, il y a des jeunes entrepreneurs qui, comme vous, il y a quelques années, décident de faire le pas, décident de se présenter des projets souvent ambitieux et on n'a jamais besoin de trop de conseils. Donc, peut-être pour terminer, un petit mot pour ceux et celles qui sont en train de se lancer, là, qui sont en train de se préparer. C'est quoi vos conseils pour réussir ? Alors, y en a plusieurs. La clé du succès, c'est plusieurs choses. J'ai trois gros conseils. Le premier, c'est de bien s'entourer.
De mon côté, j'ai été entourée dès le départ par le Startlab. J'ai eu cette chance et clairement, je ne serais pas aujourd'hui où je suis sans l'aide des personnes qui gèrent le Startlab, mais aussi l'aide des autres entrepreneurs. Donc, discuter avec des autres entrepreneurs qui ont des stades plus ou moins avancés, avec des entrepreneurs qui sont expérimentés, ça apporte énormément et il faut aller à l'encontre. Enfin, il faut aller plutôt à la recherche de toutes ces rencontres. Deuxième conseil, c'est qu'il faut avoir de l'ambition. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se donnent pas les moyens. Et parfois, j'ai tendance à dire qu'il faut, il vaut mieux échouer et apprendre beaucoup de son échec plutôt que stagner pendant des années et finalement s'arrêter. Donc, il faut voir les choses en grand. Et le dernier conseil qui est très, très important, c'est pour moi, cash is king. Il faut vraiment regarder son cash, ne pas diluer trop fort, regarder chaque dépense, etc. Et vraiment prendre des décisions qui sont bonnes. On essaiera de retenir ces trois conseils. Moi, pour résumer, effectivement, s'entourer, c'est très important, que ce soit un bon partenaire, mais aussi une communauté d'entrepreneurs ou alors une infrastructure comme le Startlab. Mais donc, pour résumer, c'est vraiment bien s'entourer et être persévérant, en fait, de manière générale. Je crois que c'est la qualité première d'un entrepreneur et c'est ce que je remarque, c'est que ce soit sur toutes les étapes d'un projet, on va avoir des difficultés, des problèmes, des portes qui vont se fermer. Et il faut bien s'entourer pour s'aider à être persévérant, résilient et continuer à tout donner tout au long du développement du projet. Bon, ben ça, c'est de la belle énergie que vous nous donnez aujourd'hui. Donc, merci Emna, merci Aurélien. Grâce à vous, on mangera mieux, on consommera mieux et donc on aura plus d'énergie pour affronter tous les défis en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que consommateur. Merci beaucoup, bonne chance, bonne continuation à vos projets et à très bientôt. Merci. Super, à vous. Super, merci beaucoup Benjamin. À bientôt. Bonjour Virginie, Camille et Floriane, vous êtes l'équipe qui accueille, qui accompagne, qui soutiennent les entrepreneurs au Startlab. Alors, Floriane, quels sont les challenges récurrents que rencontrent les jeunes entrepreneurs ? Alors, je pense qu'un des premiers gros challenges qu'ils rencontrent, c'est vraiment de trouver leur product market fit. Donc, on a énormément d'entrepreneurs qui, quand ils arrivent au Startlab, ont une idée assez fixe de ce qu'ils ont envie de faire. Et on va vraiment les pousser en fait à se remettre en question, à aller à la rencontre de leur clientèle, à vraiment bien cerner leurs clients pour déterminer si oui ou non le produit qu'ils avaient en tête répond à un réel besoin de leurs clients. Donc ça, c'est le premier challenge. Donc on les accompagne pendant toute cette phase-là. Ensuite, un autre gros challenge, c'est au moment où ils doivent grandir en fait, potentiellement lever des fonds, développer leur marketing. Et là aussi, le Startlab est à leur côté pour les aider. Camille, c'était quand même une année difficile 2020, mais pourtant il y a eu des succès. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Vous avez quelques chiffres à partager avec nous ? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que pour l'année 2020, malgré, comme tu disais, la crise Covid qu'on subit tous, ça a été une année particulièrement difficile, surtout pour nos entrepreneurs. Mais malgré ça, on a constaté que l'envie d'entreprendre est toujours bel et bien présente, même plus qu'avant. Et en termes de chiffres, on a vraiment fait une super année en termes de candidatures. Donc pour parler de chiffres concrets, chaque année, on accompagne une centaine de projets, ce qui équivaut à plus ou moins 200 entrepreneurs. Et pour l'année 2020, on a reçu comme candidature 200 candidatures de projets, et donc ce qui équivaut à 250 jeunes. Donc on voit vraiment qu'il y a de l'engouement et de l'envie d'entreprendre, ce qui est super inspirant pour nous parce que ça nous donne à nous, le Startlab et l'équipe, envie de toujours faire plus et mieux pour accompagner tous ces jeunes. Et pour répondre à ta question de ce qui nous inspire, ce qui m'inspire moi personnellement, ce serait de voir toute la détermination, la motivation et l'envie de tous ces jeunes d'entreprendre. On voit aussi toute la diversité des projets qu'on accompagne au Startlab. C'est vraiment génial parce que c'est super inspirant. Il y en a dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Ça passe du métier plus artisanal de la création de bijoux à un jeune qui a envie de proposer un nouveau modèle pour faire de la prise de sang à domicile pour simplifier la méthode. D'autres projets qui sont plus axés dans tout ce qui est éthique et durable avec de la production de vêtements à base de plastique recyclé. Donc on voit vraiment que c'est très diversifié et varié. Et puis finalement, ce qui m'inspire aussi, c'est de voir vraiment la bienveillance et l'entraide qu'il y a au sein de toute cette super chouette communauté avec tous ces jeunes entrepreneurs, mais aussi tous les coachs et formateurs qui accompagnent ces jeunes pour les aider à concrétiser vraiment leur projet entrepreneurial. Donc Virginie, je me tourne vers toi maintenant. À part l'entraide et la bienveillance,
si j'étais jeune et je voulais me lancer comme entrepreneur, pourquoi est-ce que je devrais rejoindre un incubateur comme le StartLab ? Alors, on sait que quand on se lance, il y a vraiment énormément à faire. Généralement, quand on lance sa startup, on est seul, deux ou trois, et il y a au moins du boulot pour deux fois, trois fois, dix fois ça. Donc, vraiment, rejoindre un incubateur, ça va aider à se structurer, à mettre les bonnes priorités au bon endroit. Ça va aussi aider à aller chercher les ressources dont on a besoin au moment où on a besoin. Vraiment, que ce soit pouvoir aller demander de l'aide à quelqu'un. On en a beaucoup entendu ce soir. Hein, vraiment, la communauté, c'est quelque chose de très important. Mais aussi aller chercher des ressources en termes de formation ou d'aide vraiment spécifique pour lancer justement sa start-up. Et donc, Lauriane, le mot de la fin ? Eh ben, au nom de toute l'équipe, on aimerait vraiment remercier les partenaires et les experts, ainsi que les coachs et les formateurs qui apportent tant à nos entrepreneurs, la communauté d'Advisory et d'Alumni, dont on est très fiers, et surtout tous nos entrepreneurs sans qui on ne serait pas ici. Virginie, Camille, Florian, merci pour tout le talent, pour toute l'énergie, pour toute la bienveillance que vous déployez au service des entrepreneurs. Au plaisir de démarrer 2021 ensemble et à très très bientôt. Merci. Et nous voici arrivés au terme de cette troisième édition digitale du Pitch XXL. Merci pour votre participation, merci pour votre présence. Vous aidez à soutenir ces jeunes entrepreneurs talentueux. Vous avez découvert aussi les acteurs clés de l'entrepreneuriat bruxellois. Et donc, faites comme nous, likez, partagez, faites connaître ce talent entrepreneurial qui existe aujourd'hui. Il mérite vos encouragements, il mérite que vous fassiez vous aussi partie de leur aventure. Et donc, je vous donne rendez-vous en 2021 pour la suite des aventures de l'entrepreneuriat au StartLab. Le StartLab, celui-là, ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui va vraiment se passer dans le futur. StartLab m'ont aidé à réorganiser toutes mes idées et à prendre un chemin un peu plus logique. Très agréable d'être entouré d'une certaine bienveillance, mais une bienveillance qui fait évoluer quand même. Tu discutes, tu échanges plein de choses. C'est aussi l'encouragement. Ouais. On est tous des entrepreneurs, donc voilà, on se tient le dos et on est renforcé par cette unité. Là, tu te sens pas seul et ils sont vraiment motivés parce que tu as une sorte de forme de communauté qui se forme et c'est ça qui est super sympa. Moi, en tout cas, ce que ça m'apporte, comme je suis tout seul, c'est quand même avoir un esprit d'équipe. Tout le monde peut s'entraider. En fait, si on a le cowork qui est silencieux, si on veut vraiment être focus et on peut être complètement dans son travail, et puis on a aussi le cowork café, là, en fait, c'est beaucoup plus chill justement. Et du coup, on peut parler avec plein de gens et ce moment-là où plein d'idées en fait émergent juste au lunch du midi. Tu demandes ce que fait l'eau, ce que tu fais, tu expliques un peu ce que tu fais et c'est tous ces échanges qui sont tellement bénéfiques. Pour moi, le StartLab, c'est vraiment deux choses. C'est d'un côté les conseils et de l'autre côté les rencontres qu'on fait au quotidien. La StartLab t'aide à poser la première brique de ton projet, je pense. Le StartLab, c'est un incubateur de projets, mais pour moi, ça a été un incubateur de confiance en moi. En fait. Le StartLab, c'est travailler en équipe, même si on est tout seul dans sa startup. Alors le StartLab, c'est comme notre boussole dans l'aventure entrepreneuriale.